Hey! Salut les amis! Bienvenue! Rentrez, c'est Love de Nono! Oh, je suis avec Arnaud. Arnaud, celui qui tient la caméra depuis toutes les vidéos YouTube. Comme ça, vous le savez, il va me suivre. Vas-y, Arnaud, rentre à la casa, tombe pas sur le fil. Bienvenue dans Love de Nono. Ici, c'est la trottinette de mon équipe. Voilà, donc ça sert aussi de porte-manteau. Iron Man, si vous ne le connaissez pas. Dragon Ball Z, parce que j'en suis fan. Là, c'est un ami street artist Arnaud Journou, où ouais, je fais de la pub pour tout le monde. Voilà, il vient de me casser mon étagère. Là-bas, c'est ma salle de bain, je vous montrerai pas. Mais c'est propre, hein. Arnaud, on peut ouvrir. Regardez, c'est nickel. Voilà. Vous êtes dans l'offre de Nono, ce n'est pas un décor, ça a été mon appartement, c'est mon fief, c'est là où je fais toutes les recettes. Arnaud, si veut me suivre, là on a toute la région, on peut filmer parce qu'à chaque fois on ne filme pas. Voilà, il est là-bas, Il c'est Pierre. Voilà, on est en direct, vous voyez. Abdallah, voilà, qui est là, qui me surveille si je fais bien les recettes. Et le meilleur, le... mon binôme, mon frérot, le Jérémy, le boss. C'est le boss. Et ouais, il se cache. Il se cache. Mais vous inquiétez pas, on paye nos impôts. Euh, bienvenue sans love de nono ce soir. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous fais un direct, pourquoi je vous fais un live. Et vous le savez, vous me connaissez un petit peu, moi, je vous dis toujours la vérité. Euh, on doit enregistrer des recettes normalement et on doit les diffuser chaque mardi soir. Et Il se trouve qu'en ce moment, c'est une période assez ah, foule. Et là, j'ai un coup de téléphone de mon associé, mon, mon frérot, mon binôme, euh, Jérémy qui me dit écoute, j'ai une idée, euh, on n'aura peut-être pas le temps d'enregistrer les recettes. Faisons un live ce soir. Montrant, il faut montrer aux gens que tu sais vraiment cuisiner sans filet. J'ai dit, OK, euh, est-ce que tu as une idée Fais-moi, j'adore un truc euh, faire, qu'on peut faire en apéro ou même pour les enfants. Fais-moi un croque-monsieur. Alors, j'ai dit, écoute, euh, ouais. Il fait, fais-moi le croque-monsieur que tu es en train de shooter dans ton nouveau livre qui va sortir cette année. Euh, montre aux gens que, voilà, c'est faisable, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de filet, tout. Donc, vous ne le savez pas, mais juste avant, là, Carnot arrive avec son équipe, j'étais en train de faire un. un un Livre de cuisine, donc vous allez voir, il y a un peu de bazar dans la cave à vin, c'est stocké. C'est ici qu'on shoot le livre, et voilà. Et donc, j'ai offert euh, quelque chose que j'aime faire c'est un croque-monsieur, mais vraiment le croque-monsieur, tu sais, euh, vraiment lourd quoi, le fat. Et je me suis dit, le croque-monsieur, on met toujours du fromage. Et je me suis dit, aujourd'hui, un fromage que tout le monde aime bien, moi aussi j'adore, c'est le cheddar. Voilà, je lui dis, on oh, le croque-monsieur. Oh, voilà, alors attendez, parce qu'on m'a mis un petit écran, alors moi je suis pas du tout habile. Ça c'est l'équipe, tchat en direct, allume la lumière, salut Nono, You c'est trop beau, j'adore les croque-monsieur, salut. Ah les stars, c'est ça, ça se fait attendre. Ah oh ben je suis désolé, franchement je vous le de c'est pas que ça se fait attendre, c'est que j'ai terminé de ranger, de nettoyer, il oh, bah, y a encore des traces tu vois. Là si ma femme regarde, elle doit se dire ouais, elle me connaît un peu. Euh, vraiment on a vraiment déblayé, on a poussé l'éditeur et on s'est mis à faire euh, la mise en place pour le, pour le croque-monsieur. Je suis content d'être avec vous ce soir. Euh, tu as des commentaires. Allume la lumière. Oui, alors ici, euh, on est sur du plafonnier. Je peux vous faire la plaza si vous voulez. Hein. Là, on est sur du plafonnier. Basse, basse consommation. Voilà. Euh, et donc forcément, ça envoie une lumière très, très tamisée. Mais on a mis quand même des projos. Voilà. Oh, je suis content. J'espère. Il y a du monde ou pas Il y a un petit peu de monde. Il y a combien Il y a 281 personnes. C'est la première fois en plus que je fais un live sur YouTube. Je suis trop dosé. Euh, salut Francine, Jérémy Hernandez pour voir que je vous suis bien. Il y a Eve, Boton, Stantax, il y a Quentin Maroto, Wistix, euh, Wistix, je ne sais pas comment, Albator le Corsaire et euh, Alala. Salut, voilà. Bon les amis, on va commencer le croque monsieur. Euh, déjà, on va commencer par allumer le four parce que là, c'est pas un croque monsieur que je vais faire à la machine parce qu'il y a deux types de croque monsieur. Il y a le croque monsieur qu'on aime faire vraiment un peu au style gaufrier, euh, voilà. Donc là, on va vraiment écraser le pain et ça va être au milieu au garni... dans la garniture qu'on va retrouver quelque chose de moelleux. Moi, je vous fais vraiment le croque monsieur euh, restauration euh, parisien, parce que le croque monsieur vient de Paris. Et là, on va le faire au four. Donc on allume. Voilà. Euh, on va mettre un petit 180 degrés. Hop. Voilà, voilà. C'est parti, mon kiki. On a lancé. Euh, pour un bon croque monsieur, on va réaliser une béchamel. Alors une béchamel, c'est du beurre, de la farine, du lait, et je vais rajouter dedans du cheddar. Voilà. On peut rajouter de l'emmental râpé. Moi là, je me suis dit on va le faire, on va le customiser, et on va faire du cheddar. Voilà. Euh, après, on a pris du jambon blanc. Alors vous voyez, un jambon blanc comme ceci, il est très, des très bonnes qualités. Voilà. Is d'élite. Pour moi, c'est un très bon jambon. Voilà. Euh, il n'est pas trop humide. Il est bien cuit. Il y a la couenne. Voilà, la couenne. Ça, c'est aussi quelque chose que j'adore. Mais bon, tout le monde n'aime pas. Et voilà. Donc, on a un joli jambon. Si chez vous, vous ne mangez pas de cochon, vous prenez euh, jambon de volaille ou jambon de veau. ou... Il n'y a pas de souci. Et du pain de mie. Alors, on ne va pas se mentir, les amis. Moi, le croque-monsieur, souvent, euh, il est fait comme ça, au pied levé. Je tire, j'ouvre le tiroir et qu'est-ce que j'ai C'est du pain de mie déjà un peu tranché. Oui, je sais, je fais la meilleure boulangerie. Mais bon, euh, voilà. Donc, je vais prendre un petit pain de mie. Oh, quoi que celui-là, il est pas mal. Est... Non, je crois que. Disons, tu t'es éclaté, Jérôme. Il m'a pris un, un pain de mie euh, high level. Mais sinon, vous voyez, il y a des pains de mie euh, qu'on a euh, couramment. Voilà. Dessus, on va mettre des oignons. Et puis, on va lancer la recette. C'est parti. Bienvenue dans l'œuvre de Nono. Tu peux rentrer, Arnaud. Tu peux montrer aux gens. Regardez. Voilà. Ça, c'est le placard à casserole. Tout est rangé pour une petite béchamel. Alors, je vais vous prendre celle-ci comme casserole. Et oui, parce qu'on ne vous le dit pas souvent dans les recettes, dans les livres et tout, c'est que chaque utilisation est quand même bah, une casserole appropriée. Celle-ci, je l'utilise pourquoi Pour faire des sauces. Vous voyez, parce que c'est un peu. c'est La surface est plus petite ici, mais beaucoup plus évasée. Donc c'est mieux pour la sauce. Il y a une meilleure évaporation déjà. Et aussi, je l'utilise ça pour le risotto. Un jour, je vous ferai un live risotto. Voilà. Donc là, tac, on, on la pose là. On va avoir besoin de ça. Ça, on va le, on va le laisser là. On a besoin de farine, le beurre, on va le peser tout de suite, balance, Arnaud tu peux venir Regarde, montre aux gens Voilà, regardez, hop, c'est le love de Nono, voilà. Non mais je pense que vous allez adorer, moi j'adore, je me pose toujours les questions quand je regarde des youtubeurs ou des influenceurs ou je sais pas, j'aimerais bien voir les off, et je me suis dit si je fais un live pour vous, j'aimerais bien vous montrer les off, voilà, les coulisses. Voilà, on peut aller derrière, vous allez voir, il y a tous les produits pour shooter le livre, il y a plein de trucs. Donc là, on revient à la béchamel une béchamel c'est quoi C'est un roux. Un roux c'est quoi Un roux c'est farine et beurre qui va nous servir à épaissir ça va nous servir à épaissir la sauce. La sauce ça va être faite à base de lait. S'il y a des allergiques s'il y a quelque chose, lait d'amande lait de soja, ça marche aussi on n'a pas le même goût, enfin on n'a pas la même richesse mais ça marche aussi oui parce que maintenant quand je fais les recettes on me demande alors euh, euh, si, je, si je suis vegan, si je suis végétarien, si je suis pescatorien si je... je réponds à toutes les questions y a pas de problème. Nono à toutes les solutions. Là je vais peser, donc je pèse, je prends mon petit bol, 50 grammes de beurre. Bloc de couteau, on prend, voilà, tac, à peu près, on va couper et on va mettre 50 g. 62, voilà. Alors la béchamel, c'est quoi C'est un peu euh, la crème pâtissière, mais version salée. Ouais, une crème pâtissière, c'est quoi C'est pareil, sauf qu'il y, y a des oeufs, mais c'est farine et lait. Voilà, on en ajoute de l'amidon. D'accord, farine ou fécule, et on fait épaissir. Voilà, la béchamel c'est exactement la même chose que la pâtissière, sauf qu'il n'y a pas d'œuf et il y a du fromage dedans. Mmh. Là, ici, tac. Alors, je vais me regarder sur le petit chat, maintenant que je fais sauter. C'est pas toi qui fais les courses. Alors, euh, si, alors c'est comment J'y fiche, j'y fiche, de géniche. De, de, euh, j'y fiche, euh, j'y fiche. Euh, alors, des fois, je fais les courses euh, en tant que papa. En tant que papa, je fais les courses. Oui, oui, je fais les courses. Je ne vais pas te mentir que j'ai appris à aimer faire les courses. Sinon, euh, c'est Jérémy, il est là-bas. C'est Jérémy, voilà. voilà. Et, euh, donc là, je mets à fond de le beurre. OK. Tout doucement, on va le faire euh, tranquillement. De là, je vais quand même peser mon lait. Donc euh, 500 grammes, 50 centilitres. Mesure du litre, voilà. Oh, oh Posez-moi des questions. Donne-nous des secrets de chef. Les secrets de chef. Il y a plein de secrets de chef, euh, si vous voulez savoir quoi. Euh, c'est qu'on a toujours, en cuisine, pas en pâtisserie, hein, attention, là je vous parle de chef de cuisine, euh, c'est qu'en cuisine, on peut toujours euh, réajuster les choses. En pâtisserie, quand tu as loupé ta recette, euh, franchement, à part la crème anglaise que tu peux passer au chinois si jamais elle est un peu trop euh, cuite, euh, c'est très très rare de pouvoir récupérer un gâteau. Mais en cuisine, tu peux récupérer une sauce avec des astuces de grand-mère. Un jour, ça m'est arrivé de faire un bouillon trop salé. Ce que j'ai fait, j'ai coupé des grosses pommes de terre. D'accord J'ai mis plein de pommes de terre, je les ai bien lavées pour ne pas avoir trop d'amidon, et la pomme de terre absorbait le côté trop salé. Voilà, ou sinon, bah, tu casses le côté trop salé avec du, euh, avec du citron, de l'acidité. Voilà, il y a plein de petits secrets de chef. Euh, les, secrets, les secrets de chef, c'est aussi euh, quand vous êtes chez vous. Ça, c'est des choses qu'on ne vous a pas montrées, qu'on ne vous montre pas beaucoup dans les émissions, dans les livres de cuisine. C'est comment faire une mise en place, préparer le plat et être capable de le réchauffer. Généralement, les gens, quand ils font à manger, ils sont tous un peu tendus parce qu'ils doivent tout faire un peu en direct. Alors que nous, dans les restaurants, on est déjà prêt, on est déjà en place, ça s'appelle une mise en place. Et on n'a plus qu'à assembler, réchauffer et finir de cuire. Voilà, les secrets de chef, il y en a, il y en a plein. Euh, donc là, je fais fondre le beurre. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner une, une petite idée de savoir un peu comment on connaît du beurre de qualité. Celui-ci, on le voit qu'il y, y a un peu trop d'eau dans le beurre parce qu'il commence à exploser. C'est-à-dire que le gras a fondu. Et vous savez très bien que le gras, ça aime pas trop l'eau. Et comme il y a beaucoup d'eau dans le beurre, bah, vous voyez, ça éclabousse partout. Ce n'est pas parce qu'il y avait de l'eau dans la casserole, ce n'est pas parce que c'est parce que le beurre, là, il y a beaucoup trop d'eau. Vous regarderez dans les étiquettes, c'est ce que je vous expliquais. Regardez les étiquettes, vous allez comprendre. Un beurre à 82% de matière grasse, tu c'est tu sais qu'il reste de l'humidité dedans. Voilà. Et c'est ce que je vous expliquais sur la pâte, euh, la pâte à croissant. Un beurre sec, un beurre de tourage, c'est un beurre qui a très, très, très peu d'humidité. D'accord Comme ça, l'humidité, c'est ce qui va venir donner de l'irrégularité. Alors que quand le beurre est bien sec, un beurre de tourage est bien sec, il n'y a pas d'irrégularité possible. Voilà. Ah, tout ça, c'est Bruno Cormeret, hein, parce que j'ai appris aussi plein de choses pour les émissions. Il ah, ne faut pas... faut rendre à César ce qui appartient à César. Là, Arnaud, tu viens me voir. Ah ben là, ça va bien, tout va bien. Là, on est sur le beurre fondu, on sort du feu, on verse la farine, et là, on remue. Voilà. Donc une béchamel c'est quoi Une béchamel c'est un temps pourtant temps. 50 g de farine, 50 g de beurre pour 500 g de lait. Si j'aurais voulu faire 600, j'aurais fait 60 g de beurre, 60 g de farine et 600 g de lait. Voilà, un temps pourtant. Temps. Voilà. Et là on va faire cuire. On va faire cuire le, la farine. On veut que la farine explose, que, que l'amande la, la, farineuse à l'intérieur explose comme ça, qu'on libère les amidons et qu'on casse aussi le goût le goût de la farine parce que si on cuit pas la farine là ah ça va être un peu compliqué à manger voilà donc là on fait cuire tout doucement on reste sur le feu voilà et là pendant que je vous parle parce que je vous dis tout j'ai fait une grosse boulette ah je vous le dis je vous le dis j'ai fait une boulette de débutant voilà voilà moi c'est ce que j'aime en fait à vous parler à faire des émissions tout ça c'est d'être le plus clair avec vous et que vous compreniez que même ça peut arriver à n'importe qui et des fois qu'on est tout seul dans sa cuisine on se dit mince j'ai loupé un truc. Et eh ben moi je vais vous montrer que j'ai loupé un truc. Rien de grave. Mais pour moi, c'est une erreur des débutants. Grave. C'est que là, je vous parle et que je n'ai pas pesé mon lait. Donc en fait, je vais devoir arrêter de cuire. Voilà. Revenir sur la balance, peser. Alors que si j'avais pesé mon lait, j'avais plus qu'à continuer ma recette. Et quand ça vous arrive chez vous, des fois, vous laissez la casserole sur le feu et ça prend feu, ça brûle. Et là, c'est l'angoisse. Voilà. Hop. Ça, ça, va... eh, ça doit être votre meilleur ami, ça. La balance. Là, vous la trouvez chez n'importe où là. Celle-ci elle est top. Allez, top du top. Vraiment, la balance, ça va être votre meilleur ami. En cuisine, partout, en pâtisserie, tout ce que vous faites, vous pesez. Il y a des fois, vous faites à la cuillère à soupe. Voilà. Mais vous pesez, c'est top. Hop, le lait. Là, on revient, Arnaud. Il y a des questions sur l'écran là. C'était cela qui finance le, la vidéo, c'est qui, qui Alors, avant de mettre le lait, euh, t'as eu un coup de soleil Ah ouais, j'ai eu un coup de chaud, mais attends. <laughs> Alors, vous explique moi ma journée. Moi, ce matin, ma, ma compagne est partie travailler. Elle m'a dit, mon chéri, tu es en charge de notre petit bout de chou de 3 ans. faut l'amener à la crèche. Euh, 3 ans, j'ai 43 ans, je veux dire qu'il me fait la misère. D'ailleurs, si vous me regarde, salut mon fiston, je t'aime, et ma compagne aussi, je t'aime. Voilà. Euh, au moins, ma femme, elle sait où je suis là. Euh, tu vois, chéri, je suis, je suis là. Euh, et donc, oui, bah, après, j'ai travaillé, je suis venu shooter le livre. J'ai fait... Aujourd'hui, on a fait 10 recettes. 10 recettes pour le livre. Et je vous prépare 120 recettes. Je ne me moque pas de vous. Donc, et je fais tout moi-même. Et tout est contrôlé, c'est-à-dire que tout est pesé, tout est regardé, tout est goûté. Il n'y a pas de recette fake, il n'y a pas un truc qui est en carton pâte. Et juste après, donc on les a mis dehors, l'équipe d'Arnaud est arrivée. Motaiba bonjour, Motaiba quand même grosse production. Eh, J'ai quand même de la chance, je travaille avec des équipes. Motaiba c'est ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui filment Michou. Voilà, c'est eux qui m'ont fait rencontrer Michou d'ailleurs. Merci Motaiba, je vous salue Stéphane et toute son équipe, je vous kiffe. Et donc là, donc la grosse journée tu vois, et là je suis en live. Et Anuson, Happy Birthday Anuson, Anousson, on te kiffe. Anuson, c'est la, la petite jeune qui est avec Arnaud, qui vient souvent faire les vidéos. Et celle qui goûte et qui valide toutes les recettes. Donc là, je vais verser le lait. Hop. Voilà. Alors vous versez, vous allez voir ça. Hop. Et vous voyez, ça commence à épaissir. Voilà, tac. Anuson, Happy Birthday. Voilà. Donc les grosses journées, ouais, ouais, j'ai un coup de soleil, parce que quand je suis fatigué, je rougis. Je rougis énormément. Voilà. Donc là, j'ai mis le lait. Tac. Là, j'ai bien remué. Il n'y a pas de grumeaux, il n'y a rien. Ça, je remballe, je vais mettre ça là. Là, je vais peser. Dans la recette, je crois que j'ai mis 120 grammes de cheddar. Qu'est-ce qui se passe Comment savoir à l'avance que tu vas faire un live et avoir les ingrédients par avance Ah, ça, c'est une question. Bah écoute, moi-même, j'étais pas au courant. C'est Jérémy qui, qui m'a appelé, qui m'a dit Qu'est-ce qu'on fait J'ai envie que tu fasses un croque-monsieur. Bah, ben, mais moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais c'est ça que j'aime dans mon métier, dans la cuisine. Et puis surtout, vous le partagez, c'est que je suis le chef, je crois, le plus instinctif. C'est-à-dire que tu m'appelles, tu me dis je veux un œuf au plat, je te le fais. Tu me dis je veux un chip armantier, je te le fais. Même des recettes que je connais pas un jour m'appelaient, on me dit euh, je veux euh, un dombré. Un dombré, ça, c'est pour tous les Guadeloupéens, c'est le ragoût avec des boulettes de, de farine, d'eau et de farine Qui je, je vous fais tout, tout. Je, je n'ai peur de rien en cuisine. Bon, en pâtisserie, euh, je ferai quand même attention, mais là, euh, hop, en cuisine, non, rien, rien ne me fait peur. Voilà, tac. Voilà, 120 grammes. Voilà. Donc là, cette sauce-là, quand vous rajoutez du fromage, donc dans cette béchamel, vous rajoutez du fromage, on appelle ça une sauce mornay. Quand vous rajoutez des oignons, une sauce soubise. Quand vous rajoutez des oignons et du fromage dans la béchamel, ça s'appelle mornay soubise. Voilà. Et là, je vous fais une béchamel au cheddar. Pas mal. Donc là, tu viens voir, Arnaud, ça, 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 regarde, ça va épaissir. Regarde, tac, tac, tac. Donc, moi je vais saler à la fin, ne hein, vous inquiétez pas, je vais assaisonner à la fin. Voilà. Voilà. Là, ah, c'est quand même génial. Hein. Je vais... Hop, je vais quand même faire bouillir. Et vous allez voir, là, il faut rester là. Viens, reste avec moi, Arnaud, tu vas voir la consistance, ça va changer. Regarde. On est quasiment. On va arriver sur une texture de crème pâtissière. Voilà. Voilà. Et ça, pareil, hein, vous pouvez. Euh, donc Là, si vous m'entendez, il, il me voit de bah, la. Si vous me regardez. Là, c'est pareil. Hein, euh, si vous faites, par exemple, du soufflé au fromage ou vous faites des lasagnes, vous pouvez augmenter le roux. C'est-à-dire, pour un litre de lait, vous pouvez mettre 110 grammes ou 120 grammes de beurre et de farine pour avoir une béchamel hyper, hyper compacte. Comme ça, vos, vos lasagnes, elles ne bougent pas. Voilà. C'est ça qui est génial avec la cuisine. C'est que tu peux même monter une maison avec de la béchamel. Voilà. Et là, tu remues, tu vois, ça ne accroche pas. Et c'est pareil, en cuisine, il faudrait, la dernière fois je vous, je vous ai parlé des couteaux lave-vaisselle, mais il faudrait que je vous parle des ustensiles à utiliser, parce que des fois je vous vois, parce que je vous vois, vous ne savez pas, euh, je vous dis pas, des fois je ne vous salue pas, mais je vous regarde, parce que je vais quand même dans, dans, dans les centres commerciaux, je vais dans les magasins de déco, et je vous vois acheter des choses, et je vous entends, surtout en rayon cuisine. Et vous achetez des fois parce que c'est beau, parce que c'est design et tout, mais je me demande si vraiment vous savez euh, bah, à quoi ça sert réellement. Et ça, ces petites casseroles, ces petites russes comme ça, elles sont géniales parce qu'elles sont arrondies. Donc vous voyez, la sauce, le fouet, il n'y a pas d'angle. Donc vous ne cramez rien du tout. voyez Alors oui, mais là, c'est un sponsor qui m'a filé ça il y a longtemps. Mais c'est vrai que vous les trouvez un peu partout, même sur Internet. Maintenant, grâce à Internet, vous trouvez tous les types de casseroles. Mais c'est hyper important. Ça vous change votre cuisine, je vous assure. Même votre façon de cuisiner. Voilà, donc là, je fais bouillir. Bien longtemps, regardez, bien, regardez des bulles. Vous regardez Des bulles. N'ayez pas peur de faire bouillir comme ça. Là on explose l'amidon dans la farine et on vient épaissir. Voilà. De là, en fin de cuisson, hop, je remets ça là, tac. En fin de cuisson, vous mettez ça ici, voilà. Devant vous, ladies and gentlemen, euh, je suis en quoi En refif. Mais du coup, j'aimerais que tu nous fasses un rougail saucisse version gastro. Ah Alors j'étais à La Réunion il n'y a pas si longtemps pour La mère Boulangerie, j'ai euh, pas à revisiter. J'ai fait le rougail saucisse. Euh, J'avais la main très très lourde sur un piment qu'ils ont là-bas. Euh, J'ai fait goûter à des réunionnais. Ils ont voulu euh, me jeter à l'eau. <laughs> J'avais trop forcé sur le piment. Mais ouais, rougail saucisse, c'est génial. Alors tu vois, euh, comment tu t'appelles Firiel. Ok bah, À la rentrée, là, fin d'année, je fais mon livre. Et moi, euh, bon, ok, ok, je vais vous balancer tout de suite. Tu veux, Firiel Veriel, si tu m'entends, réponds-moi, Firiel, je te réponds. Je fais un rougail saucisse version africaine. Tu vas me dire, mais il est fou ce mec. Je mets de la pâte d'arachide, donc euh, de la dacatine, donc de la pâte de cacahuète dans le rougail saucisse. Ça, c'est un truc de fou. Tu vois, il y a le piment, il y aura la tomate, le piment, les deux saucisses, saucisse fumée de porc et saucisse de volaille. Et hop, et derrière, je lis le rougail saucisse avec de la pâte de cacahuète. Tu me dis, quand je dis si j'en dis trop, il hein, ne faut pas que je fasse, faut pas comment on dit, spoiler. Donc là, regardez, hop, je fais fondre mon fromage tout de suite. Voilà. Voilà. Après, qu'est-ce qu'elle dit d'autre GTA Masterclass. Nono, s'il te plaît, pourras-tu un jour nous apprendre les techniques de cuisinier Comment couper des légumes sans se couper un doigt Juste un doigt Moi, je te dire les doigts. Mais bien sûr. Mais en fait, euh, si tu veux que je te réponde, euh, GTA Masterclass, euh, on sait tous couper les doigts. Il n'y a pas un chef au monde, mais n'importe où de France ou de Navarre ou n'importe où qui ne sait pas euh, euh, balafrer un doigt. D'accord, donc euh, je vais te dire la vérité. Euh, c'est le tigre, comme ça, tu rentres tes doigts, comme ça. Attends, je vais te le montrer parce qu'on n'est pas pressé. Parce que, ne va pas se mentir, pour un chef, euh, faire des croques monsieur c'est. Euh, Jérémy voulait s'assurer que je sois dans les bonnes euh, conditions. Mais regarde, elle est belle, hein, regarde la béchamel, là, venez voir, là, en pleine lumière, parce que tout le monde dit que tu travailles dans une grotte. Regarde comment elle est bien, elle est devenue orange clair, comme ça. C'est beau, hein Voilà, et tu vois, tu as le cheddar. Voilà. Donc ça, de toute façon, il faut que ça se repose. Après, je ne vais pas vous mentir, je vais prendre un peu de beurre mou, je vais mettre des oignons, du jambon, tac, ça va aller au four, je vais ressortir. Donc, on a le temps. Euh, vous voulez voir comment on fait une technique Une technique pour couper un oignon. Allez Moi, ouais, c'est ce que j'aime, j'adore. C'est pour ça que j'adore YouTube. En fait, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de tout ça. Tu es en live, les gens, ils te demandent. Bah, ok, je vais vous montrer. L'oignon, très simple. Alors, l'oignon, je n'ai pas de remède pour vous dire euh, comment ne pas piquer, ne pas pleurer des yeux. Si j'ai une vanne, euh, faites-la éplucher par quelqu'un d'autre. Voilà. Mais euh, hop, on va mettre ça là-dedans. On a plus besoin. Voilà, regardez. Là, petit cours, petit couteau. Voilà. Ok, ça, je remets mon socle. À ah, couteau, il est là. Ok. Là, vous avez euh, donc la tête et le cucu. Le cucu, à chaque fois, les gens, ils le coupent. Ça, il ne faut jamais le couper. Vous le coupez en deux. Pourquoi Vous allez comprendre. Là, on va faire ciseler. Ciseler, c'est en petit dé. Alors, on y va, on met la pointe et on ne va pas jusqu'au bout. Et après, on décide de l'épaisseur. D'accord C'est bon Abdellah c'est bon. Voilà, regardez. hop, Et on va pas jusqu'au bout. Par contre, il faut un couteau qui coupe super bien. Là, vous le remettez. Vous allez glisser la lame en bas. Tout doucement, vous allez scier. Hop. Voilà, tac. Et après, vous remettez au milieu. Déjà, quand vous faites ça, déjà, c'est pas mal. Après, vous pouvez aller un peu plus haut. Ensuite, vous avez, donc vous avez vu, le petit cucu il tient tout. Vous n'allez pas jusqu'au bout. Hop, ça en met là. Oh, bon, on s'en verra après. Et après là, un bras de locomotive, tout doucement. Et vous n'êtes pas obligé de mettre les mains. Arnaud, regarde, montre comme ça. Regarde, je vous montre de profil. Là ici, t'es pas obligé de mettre les doigts collés à la lame hein. quand tu commences. Tu peux les mettre un peu. Tu tiens juste. Et là, tu hop, tu viens et tu t'écrases pas en fait. Tu fais pénétrer la lame. T'as le mec on dirait Dexter. Tu fais pénétrer la lame et tu fais glisser. Et comme ta lame, elle coupe. Et ben forcément. Tu vas pas écraser, hein. C'est si as la mal le coup, t'écrases pas. Regarde, tu hop et tu fais. Et voilà, ça s'appelle ciseler, ok Donc c'était pas du tout prévu, mais je vous le fais quand même. Bon après, euh, on fait version cuisine, voilà. Voilà, vous avez ciselé. Ok les amis, vous me dites hein, si ça vous convient. Pour l'oignon, j'ai une amie qui fait des démos tupperware. Elle a dit qu'il faut tirer la langue pour pas pleurer. Euh, moi j'ai tout essayé, j'ai tiré la langue, j'ai fait des proutes, euh, j'ai mis le doigt dans l'eau, euh, j'ai mis un masque. Le masque, ça marche. La vérité, le masque plongé, ça marche. Je te jure que c'est vrai. Euh, je vous raconte une anecdote, je travaillais chez Bernard Loiseau. Bernard Loiseau, on faisait des, euh, euh, des cuisses de grenouille. Non, c'était le cendre, le cendre au vin rouge. Et on faisait une compotée d'échalotes par, par, euh, par session, pas par semaine, hein. on faisait euh, par semaine, on faisait 200 kg, On faisait 80 kg d'échalotes. Donc l'échalote, autant te dire que ça, ça, ça t'envoie comme l'oignon. Euh, un jour j'en ai mis assez, j'ai pris un masque de plongée, je vais te dire, les 80 kg épluchés, tu t es nickel. Là, vous avez fait, donc je vous ai fait euh, l'ai émincer, émincer, et là on y va. Et là par contre, c'est ça, c'est... Voilà, pareil, fin. Voilà, fin. Ce qui compte en cuisine, c'est d'être régulier. La vitesse, ça vient après. Mais ce qu'il faut, c'est d'être régulier. Régularité. Voilà. Bah, en fait, la cuisine, c'est comme le sport, c'est comme les jeux vidéo, c'est... Comme tout ce que tu aimes faire dans ta vie, plus tu t'entraînes, plus tu maîtrises. Voilà. Et donc là, on arrive sur la fin et là, hop. Voilà. Régularité. Donc ça, bon, ce n'était pas prévu au programme, mais bon, on va se faire un délire. On va changer la recette. Euh, comme j'ai fait ciseler et émincer, Arnaud, si tu es d'accord, Abdella aussi, eh ben, on va se les faire un peu tomber. On va faire tomber. Alors tomber, c'est quoi C'est une noisette de beurre. On va leur faire lâcher le jus, suer. Comme ça, ça va être un peu plus facile à travailler. Parce que là, ça, je ne vais pas le jeter. On ne jette rien. Petite poêle. Tac, tac, tac. On y va. Là, on est sur 8. On repart un petit peu. Tout va bien, Pierre T'es pas sur Tinder hein ouais, C'était quoi la dernière fois Il, était... oh, il nous a lâché. Euh... Voilà, on a, on a décroché la caméra. Il était pas avec nous. Donc, tout va bien. Est-ce que vous avez des questions Merci du conseil. No, quelle est la marque de ton couteau japonais Alors, ça, <laughs> c'est pas celui-là. Ça, euh... voilà, Si vous voulez que je vous montre, ok, je vais vous le dire des petits secrets de chef. Cela, là je les ai pétards sur Top Chef il y a 12 ans. Regarde comme ils sont nickel. Top chef, c'est cela avec cela là qu'on a fait Top Chef, regarde, c'est le couteau pain, il est marqué Top Chef. Ouais, c'est chroma. Cela c'est chroma. Ouais ah ouais, je ne vais pas vous mentir. Hein. Ah, regarde, il est là, regarde, il est beau, mon couteau. Ça, c'est vraiment les couteaux avec, avec lesquels j'ai fait le concours. Voilà. Ah ouais, j'adore. Je suis fan. Euh, derrière, bah viens. Allez, Arnaud, on ouvre. Allez. Ça, c'est mes couteaux historiques. Voilà, mes couteaux plaisir. Ça, c'est mon premier couteau japonais global. Alors tu vois qu'il a servi parce que j'ai démonté des carcasses de poulet avec ça. Tu sais, il les a bam Donc euh, il a servi. Ouais, il coupe encore, pas mal. Il faudrait que je le mette un petit peu à la pierre. Ça, je l'ai eu dernièrement, et j'ai un petit clin d'œil, c'est pour mon fils qui m'a tapé la pointe. Il me dit, papa, le couteau Bam, il est tombé. Ça, c'est un couteau de barbecue. C'est la forme, j'ai mis des couteaux comme ça, je te jure. Et on me l'a. Je l'ai eu il y a deux semaines, donc je l'ai gardé, c'est un kiff. Ça, c'est euh, des amis chefs uniques. Alors, il n'y en a pas beaucoup. C'est fait main, c'est scandinave, et c'est magnifique, mais j'arrive pas à m'en servir parce que tu vois, quand tu mets la main sur la planche, bah, as la, tu bloques la lame. Donc je, mais je le garde, je kiffe, il coupe, c'est un, un pur bonheur. Ça, c'est mon ami Karim, il va tout le temps au Japon, puis il me ramène des couteaux, voilà. Alors, je sais pas vraiment à quoi ça sert, celui-là, parce que j'ai pas l'habitude des couteaux plats, et tu vas me dire, mais t'es con, quoi, c'est pour faire du poisson je sais pas quoi. Je ne sais pas m'en servir, mais je le garde, voilà. Euh, celui-là, c'est le premier que j'ai eu, c'est une marque Wasabi... Euh, c'est pour euh, à la maison, mais j'étais fier parce que comme j'avais pas beaucoup de thunes, euh, bah, j'étais content. J'avais un couteau japonais. C'est pas du damassé, hein, mais euh, voilà. C'est un quai, c'est un quai, voilà. Euh, celui-là, euh, on me l'a offert, voilà. sympa aussi, j'adore. Voilà, à maîtriser parce que voilà, mais euh, c'est génial. Euh, ça, c'est mes tout premiers, tout premiers aussi, voilà. Moi, bon, il coupe plus très bien. Et puis là, vous avez demandé, c'est quoi celui-là Celui-là, c'est pour ouvrir les les. Vous répondez sur YouTube. Des coquilles Saint-Jacques. Il est beau, non Ouais, je suis le seul peut-être mec à avoir des voilà à mettre en collection euh, co Fusil Voilà ce que vous devez avoir chez vous le vrai fusil diamant. Non, c'est pas du 24 carats, ça s'appelle un fusil diamant. Et ça pour affûter vos couteaux, c'est de la balle. C'est pas les petits trucs zguigui, là. Ça, avec ça, t'affûtes vraiment les couteaux quoi. C'est un truc de dingue. Voilà, mon couteau, mon ciseau à poisson, ma vapote, bon ça on s'en fout. Euh, et en dessous, regarde, voilà, là, voilà. Ça c'est ma ma compagne Abby qui me l'a offert. Voilà, ça c'est un, un couteau exceptionnel, très très léger, lame damassée, tu vois c'est un mi -habit. ça c'est magnifique. Ça je vais te dire, c'est euh, la... tu rentres déjà dans le haut de gamme du couteau, c'est hyper léger, c'est incroyable. Il C'est il la continuité de ton bras, je te jure, c'est ce que j'aime moi dans, les, dans la coutellerie, c'est ça. Après, euh, j'ai toujours des petits couteaux comme ça, pareil, c'est encore les mêmes. Là, c'est euh, un petit clin d'œil à Cyril. Cyril Lignac qui avait fait sa marque de couteau, Parce qu'en fait, il faut savoir que les chefs, euh, ils ne prennent pas la marque des couteaux des autres chefs où il y a marqué euh, Moi j'adore bah, c'est Cyril Lignac, tu vois, je suis... Voilà. Voilà. J'avais fait des cours de cuisine chez lui, j'avais fait des émissions parce qu'il a une boîte de production, Cyril. Et donc euh, voilà, euh, un jour, il me confiait les couteaux. Bon, je lui dis qu'un jour je lui rendrai, hein, bien sûr, mais euh... <laughs> voilà, voilà. Et là, c'est la pierre, voilà. Et après, vous avez les pinces, les fourchettes, la mandoline à truffes, les petits fouets, le toqueuf, les cailleurs, la roulette à pizza, tout. Voilà, petite balance, euh, voilà. Cool, hein voilà. Bon, on y va. Vous me dites hein, parce que moi, vous me dites, hein, je vous rends l'antenne quand vous voulez. Et voilà, donc là on est sur les oignons. Tac, on met là, on a fait fondre le beurre et là on va les faire suer un petit peu, on va les faire cracher un petit peu. Je vais tout mettre parce que euh, bon, sinon je vais devoir jeter. On y va. Donc je vous rappelle qu'on fait un croque monsieur, un croque monsieur avec une béchamel au cheddar. D'accord. Euh, dedans je vais faire là, je vais faire tomber les oignons, ce qui n'était pas prévu. Je voulais les mettre en rondelles, mais je vais les faire tomber. Voilà, dans un petit peu de beurre, je vais mettre un petit peu de fleur de sel. Tac. Ricrac. Là, la béchamel, je la laisse durcir. Regardez, regardez comment c'est dur. Vous voyez C'est beau ça. Alors normalement, on aurait dû mettre un film contact, comme la, comme la pâtissière, Mais là, ça craint rien du tout. Voilà. Regardez ça. Super beau. Tac. Là, on va faire revenir un peu les, les oignons. Chouya. Voilà. On a le jambon, on a le pain de mie. Tac. Qu'est-ce qu'on va faire On va préparer tout de suite. Ok on va préparer tout de suite la plaque, le lèche-frites. Voilà le lèche-frites. Ça ici. Tac. On prend pour regarder les placards, Petite boîte de. Hop là. Vous va regarder. Hein, tout ça, c'est nickel. Oui, alors, euh, je suis aussi. Je fais la petite promo pour Noémie Onia. Voilà. Alors, Noémie, c'est une dingue. Elle. Noémie, elle, Noémie, elle veut te faire un cadeau. Elle m'envoie pas un carton. Elle m'envoie une demi-palette de, de d'ustensiles de pâtisserie. Incroyable. Elle m'a fait halluciner. Elle dit Non, non, regarde devant ta porte. J'ouvre la porte, il y a une demi palette de, de matos à pâtisserie, incroyable. Voilà, voilà. Euh, donc on est là. Papier sulfurisé. Voilà. Moi je vais le plier comme je n'ai pas le jeter. À tes souhaits. Tu sais y a crevé un pneu. On a l'impression. A... T'as pas l'impression qu'il a crevé un pneu quand il a éternué C'est énorme. Quoi. <laughs> voilà. Tac, l'oignon est là. Arnaud, il se dit cool. Aujourd'hui, j'ai qu'une recette à faire avec Norbert parce que lui, il a en train de... ma vie. Je la raconte à chaque vidéo. Voilà. Hop, on range tout. Et voilà, donc là j'ai préparé mon papier sulfu. Alors, ok les gars, je vois déjà vos réactions derrière l'écran. On va le faire carré. Voilà. Et alors avant, avant, euh, avant la prise de conscience, parce que moi j'ai fait une prise de conscience il y a très récemment hein, sur le gaspillage, je ne vais pas vous mentir. Avant, comme on a des éducations en cuisine, tu sais, les chefs ils nous apprennent à être carrés, cette feuille-là, je ne l'aurais pas plié. J'aurais coupé l'excédent. D'accord? Mais comme aujourd'hui je fais attention. Je ne veux rien jeter, cette feuille là je vais, la... vais m'en servir. C'est jusqu'à jusqu'à ce que mort s'en suive. Je vais l'utiliser. Donc je la plie, parce que si j'ai besoin de la redéplier comme ça, voilà. Donc si je la coupe, je vais la perdre. Voilà. Donc euh... il y a aussi une prise de conscience. Voilà. C'est vrai que a... pendant... pendant très longtemps en cuisine, on a été des enfants gâtés. C'est-à-dire qu'on a été quand même... On a quand même... Euh... On n'a pas été dans le développement durable, nous. Hein. <laughs> C'est-à-dire que euh, quand on nettoyait les, tout ce qui était coquillage, euh, le petit filet d'eau, ceux qui sont cuisinés et qui regardent la vidéo, ils savent très bien de quoi je parle. Le petit filet d'eau qui coule pendant 6 heures, tu vois, on l'a fait quand même. Hein. Mais euh, bon, maintenant notre a trouvé des techniques. Les sereuses à salade. Ouais, un peu d'eau. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez euh, Pour le piment que tu as utilisé dans le rougail, je suppose que c'était du piment oiseau, mais en frais. Alors, euh, oui, c'était un piment rouge qui ressemble à un piment oiseau, mais qui venait spécialement de la Réunion. Et je vais te dire, il y a un truc que j'ai oublié de faire. Là, je vous le dis. Parce que je n'étais pas le plus grand spécialiste dans le piment. Les épices j'aime bien. Mais le piment, euh, j'ai laissé les graines. Ah pou, 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 les graines dans le piment quand tu les laisses. Je pense que tu t'en souviens. Voilà, donc là, on va faire le petit mélange. Voilà. Alors le petit oignon, c'était pas prévu comme ça. Je vais le faire en tranches crues. Mais c'est ça la cuisine. Hop. Voilà. Hop, voilà, voilà. Hop, voilà. On rajoute une poquitote de sel. Et là, on va faire le montage. Rien de très compliqué. Alors, sauf que je vais vous donner des petits, des petits tips. Là, je vais rajouter un peu de piment d'espelette. J'ai pris du beurre. L'oignon, bah, celui-là, on va le laisser là. Hop, il y a du poivre que je dois mettre aussi. Je vais le mettre dans les oignons. Voilà, bah, comme j'ai cuisiné les oignons. Ça m'ennuyait de mettre du poivre dans cette belle béchamel au, au cheddar parce que ça va faire des points noirs. Voilà. C'est quoi le rigole qu Qu'est-ce qu qui rigole S'il si rigole, il y a un truc. J'adore les croques monsieur. Qu'est-ce qu que tu as vu Kazumi, euh, ZoNDRDM, RDM, Kazumi, je crois. Oui, Kazumi, c'est... Mais alors, moi, je suis K, K-A-I. Euh, moi, je mettrais des bonnes feuilles de salade fraîches. Où Où tu mettrais des feuilles de salade Coucou, le chat. Je... De quoi On te demande ton avis sur Quick. Ah, où euh... bah, le... bah, Quick, attendez. Vous, avez... vous Alors, écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Euh, on est sur Quick, là On peut parler Quick, on peut tous dire. Euh, J'ai kiffé, parce que... Euh... Je raconte pas souvent. Je, je parle beaucoup, mais je raconte pas souvent ma vie. Je suis un enfant euh, du 95, euh, fils de commerçant, poissonnier, charcutier. Donc j'ai grandi avec rangis, j'ai grandi avec des, pro, des bons produits. Mais comme la plupart des gens, je dis la plupart, j'ai connu le divorce. Ah, j'ai pas connu le meilleur divorce. n'est enfin, pas moi qui divorçais, hein, c'était mes parents. Et donc je me suis retrouvé euh, bah, euh, obligatoirement, peut-être pas, mais en tout cas bizarre, enfin, à force des choses, je me suis retrouvé euh, bah, euh, en quartier. Voilà, en quartier. Donc, j'ai passé du, je suis passé d'une grande, une grande maison blanche, euh, pavillonnaire, euh, euh, tu sais, Beverly Hills, -na 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 -na, à euh, les, les, euh, le quartier, le quartier. Et, euh, et donc, bah, tu, ça veut dire, ça inclut tout ce que ça veut dire, pavillon, quartier. Euh, et donc, euh, bah, j'ai grandi après dans Leader Lid Price, Lidl, euh, ED, euh, et j'ai grandi aussi dans la, dans les fast-foods. Et j'ai euh, eu un rêve de gosse. Je ne savais pas que j'allais devenir cuisinier. Je me suis dit un jour, ça serait quand même dingue. Alors je sais, je dis pas, c'est mon rêve. Hein. Ça serait quand même dingue un jour si j'avais mon, mon fast-food à moi. Tu vois J'adore le, le kebab, j'adore les burgers. Mais jeune, il n'y avait pas encore le burger bistronomique. Ne me, me sortait pas en 90, genre, tu avais un burger gastronomique. Tu avais le kebab, d'accord Tu avais l'américain, tu sais, le mitraillette avec le casse la baguette. Et après, tu avais toutes les enseignes. Et moi, quand ça a commencé, tu pas euh, Burger King. Tu pas Five Guys, tu avais McDo ou Quick, basta. Et bah, moi, je trouvais que je pouvais avoir les deux et j'adorais, j'adorais le Quick and Toast, j'adorais le Giant, j'aimais aussi l'autre, hein, le, le McDo. Et il s'est présenté cette année l'opportunité de pouvoir collaborer avec Quick et je me suis dit, putain, je réalise mon rêve de gosse et je vais pouvoir poser mon propre burger. Et c'est un truc de ouf, tu vas au drive et tu dis, je voudrais un remarquable. Mais je, dis, je le dis, vivons nos rêves comme on a envie de les vivre. Euh, D'autres se sont insurgés, je comprends tout à fait. Euh, c'est de la street, c'est de, de la junk food, comme vous voulez, les amis. Moi, je kiffe. Je me dis, je m'interdis rien, je kiffe. Et franchement, tu je venais d'Argentin. et là, un jour, je suis passé à Coignères. À Coignères, il y a un quick. À Coignères, en 78, tu vois. Il y avait un quick, je te jure, je suis passé au drive et je voyais. Euh, Bonjour, je un remarquable euh, pas ici, chez Dar. Mais c'est de la frappe, mec C'est de la frappe C'est de la frappe Je suis désolé. puis, euh, j'ai même fait des soirées. Euh, euh, soirée, euh, on va dire euh, fast food, tout ça. J'étais avec des potes. Euh, j'étais avec le tiens, j'étais avec le. Je le salue, le mec, le créateur, le fondateur du poulet braisé. <laughs> hey voilà. Donc euh, voilà, je me suis fait un kick, un kiff, un kick, un quick, un kiff total. Donc là, euh, on a fait bécha oignon Mais posez-moi des questions, je vous réponds. Et honnêtement, je kiffe. J'ai pas de honte, je kiffe ce que je fais. Euh, tac, pain de mie. Là, alors les gens vont me demander, ils me demandent souvent. Je peux vous en parler, hein. on est là aussi pour, euh, pour faire des confidences pour confidences. Euh, j'aime faire de la cuisine, j'aime cuisiner des produits simples comme faire des belles assiettes. Ça c'est dans ma partie restauration. Mais après, il faut que vous compreniez bien aussi, euh, et on est tous pareils, d'accord, moi je suis cuisinier, mais en fait, il y a le chef de cuisine et il y a le chef de famille. Il y a aussi l'individu, il y a aussi mes envies. Euh, par exemple, vous prenez, je vous donne un, un exemple, j'adore, je suis fan de lui, hein. j'en ai déjà souvent parlé, Et Philippe Etchebest. Philippe Etchebest, c'est un grand chef, meilleur ouvrier de France. Il a l'étoile Michelin, il est à Bordeaux, grand chef. Mais il aime jouer de la batterie. Et il le dit, il, des fois, il préfère même plus jouer de la batterie que de la batterie, bim bam boum, que des fois, la cuisine. Et c'est des envies, tu vois ce que je veux dire C'est du, du kiff kiff, on a tous des passions. Et ben moi, dans ma vie, j'aime la cuisine, la haute cuisine avec des produits de dingue. Mais quand je redeviens Norbert, Norbert, eh bien, j'aime la street, quoi. J'aime le fast food. J'aime les trucs un peu sales. Et ouais, j'adore ça. C'est ma cam. Faut pas. De toute façon, faut pas... faut pas chercher à me comprendre. Tu sais, j'ai beaucoup de potes dans la tête, moi. Oh lolo. Même mon associé, il a du mal à me suivre. Même ma femme a du mal à me suivre. Donc euh, voilà. Donc là, je vais. Euh, hop, je vais regarder si le beurre est un peu mou. Voilà. Et là, je vais comme ça. Hop, je vais préparer. Et après, je vais finir à la spatule. Je vais mettre un petit peu de beurre. Voilà. Hop là. Donc, euh, ouais, ouais, mais j'adore, je suis fan, total. Ah, vous savez, on m'a dit souvent la même chose, hein. quand je suis sorti de Top Chef, j'ai fait quasiment toutes les émissions du PAF. J'ai fait Pékin Express, il ne manquait plus de danse avec les stars. Je n'ai pas pu le faire. Euh, mais ouais, j'aurais fait toutes les émissions, moi. Même des racines et des ailes, j'aurais fait. Même histoire naturelle. Vous connaissez histoire naturelle quand on rentrait de boîte de nuit Tu te mettais dans le canapé, tu scotchais grave la télé. Histoire naturelle. Je te jure, tu étais en train de cuver. Tu sortais du Saint-Trope Club, pour ceux qui viennent du 95, ou du Grazy Apple, hein, ou du Métropolis, ou de l'Acropole. Ah, on dirait vraiment un vieux, là. Euh, mais en tout cas, tu arrivais et tu te mettais histoire naturelle à 6 du mat. Alors, et tu avais Gigi avec la caramine qui allait. qui de J'adorais ce truc. Bah, tu vois, j'ai plein de souvenirs. Voilà, voilà. voilà. Voilà, voilà. Et si vous avez d'autres questions, qu'est-ce qu'il y a Norbert, je t'aime, ne change rien. Moi aussi, je t'aime, Frédéric. Euh, oh, un live, c'est pas le moment de faire cramer les croque monsieur Non, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je, 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 je maîtrise, hein, je te jure. Voilà. Donc là, regardez, hop, un tout petit peu de beurre. Pourquoi Pour enrichir le pain. N'oubliez pas qu'il la, la, faut, faut savoir que la béchamel, elle ne va pas libérer du jus, hein, elle ne va pas libérer de liquide, d'accord euh, Elle va plutôt essayer d'absorber tout ce qu'elle peut, parce qu'il y a de la farine dedans. D'accord Donc le, pain, le beurre, il va quand même permettre de rendre quelque chose d'assez moelleux. Voilà, d'assez tendre. Hop là, voilà. Et vous voyez toujours la spatule. Moi j'adore le beurre mou, j'adore ça. Alors le vrai beurre qu'on laisse dehors avec un beurrier, tu vois, tu prends le beurre et tac. Voilà. Donc les amis, je le répéterai toujours, il y a deux matières qui fixent le goût. C'est la matière grasse et le sucre. D'accord Tout ce qui est gras, ça fixe le goût. Et le beurre, c'est magnifique. Là aujourd'hui, je vais vous dire que j'ai fait des petits toasts comme ça. Avec un beurre d'anchois, basilic, citron et en, en choix au sel, hein. Pff, incroyable. Là, regardez, tac. On va prendre ça. Piment d'espelette. Ça, on peut dire merci les Basques. Ça, c'est. Alors le piment. Voilà, vous voulez des petites infos. Moi, le piment d'espelette, surtout celui-là. Il est très très bon. Je le conserve au frigo. Je le ferme bien. et Je le mets au frigo. Comme ça, il ne va pas s'oxyder, la parassia Et là, regardez, hop, petite touche de piment d'espelette. Voilà, voilà. Voilà. Alors il y a 8 millions de recettes maintenant de, de croque-monsieur, hein, je vous le dis honnêtement. D'accord Moi je vous fais vraiment, euh, vraiment le truc le plus simple. Vous prenez du cheddar, vous faites une béchamel, et hop là Là, hop Vous avez la béchamel, plus je parle, plus elle fige. Voilà, tac, on met ça là-dedans. Là on va se prendre une petite cuillère. Oh, il n'est pas organisé Norbert mmh je me laisse distraire. Regardez, hop, on range là tout de suite. On prend le tout de plat en liège et hop, on pose la casserole et on y va. Et là, hop, on y va. Voilà, regardez ça, tac. Nickel, je mets ça là. Ça va. Je ne dérange pas au plan, Abdallah Non, Abdelah ils s'en fout total. Je dis merde. Vraiment, c'est parce que je dois faire un stage. Moi, je voulais laisser la situation. Je me retrouve avec l'autre con qui fait des oignons rouges. <laughs> Ah, il va rentrer, il va aller voir le patron de Motai et ouais, Il fait écoute, la prochaine fois, euh, fous-moi fou sur le mec qui, qui colle des allumettes. Que euh, Bon, il hein, est gentil. Voilà, tac, à la cuillère, à la maison. Regardez ça. Ah, ça va être superbe. Voilà. voilà. Oh, si ma femme me voyait, bah, j'espère qu'elle me regarde. Hop, elle, elle sait que je, je l'ai fait comme ça à la maison. Je ne les ai pas fait au cheddar la dernière fois. Alors, bien sûr, après, on peut être des dingues. Hein. On peut mettre du bleu dedans, on peut mettre du gorgonzola, on peut faire ça avec du pecorino, du parmesan même, c'est un truc de fou, du comté, du bria ça va, on peut... Oh là là, moi je... oh là là, ce terroir. Alors vous avez des questions Tu mets la béchamel là Ouais, ouais, je vois pas. Ah il voit pas eh, Arnaud, déconne pas, je me fais engueuler après. Ah, alors, Arnaud, tout, tout va bien Ouais. Voilà. voilà. T'imagines, hey, moi, à l'époque, j'avais un Ericsson, mon, mon frérot, où j'avais un tam-tam, et là, je me retrouve à faire des lives sur Internet, je te jure. J'ai l'impression d'être le père Fourrage, je te jure. Oh là là là, c'est génial, j'adore. Voilà. Voilà, alors là, en direct, bim, la petite recette, c'est des croque-monsieur, béchamel monté au cheddar, Hop, simple, jambon. Quan ou not Quan Moi j'adore la Quan. Donc vous voulez que j'enlève la Quan ou pas Dites-moi. Euh, si M6 te propose de devenir le de chef de brigade, tu accepterais <laughs> C'est des coups montés quoi Vous voulez que je me fasse virer <laughs> ouais, Je sais pas si je ferais le chef de brigade. Je pense que je serais encore plus gosse que les, que les candidats moi, tu sais. Moi déjà je, je pense que euh, je leur ferais des épreuves ils seraient comme des dingues. Hop là. Voilà. Je, je pense que la cuisine des fois, il faut retourner à l'essentiel. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit Garde la On garde la coane. Bah, j'en fais un avec de la coane. regardez, ça c'est du vrai jambon. Alors pour ceux qui mangent pas de porc, je suis désolé, mais ça c'est du vrai jambon. Voilà. On est sur du vrai jambon. Il est pas du tout. Euh, voilà. Il est un peu sec. Le jambon, il doit être sec. Ça c'est le même style que le Prince de Paris. C'est jambon en fait. C'est de la viande cuite. C'est comme un, un rose beef. Le jambon. Vous comprenez ce que je veux dire quand on voit des, des, des jambons euh, lisses, hyper lisses, tu vois déjà, c'est des coupeuses à eau. C'est découpé à l'eau. Des lasers à eau comme ça. Et là, en fait, le jambon, il est, il est bien cuit. Parce que la viande, on a l'impression d'avoir un gigot comme un gigot d'agneau. Tu sais, cuit de la veille. C'est ça pour moi un jambon. Il doit être rosé, 70 heures, parfait. Voilà. Alors là, regardez. Hop, là, on m'a dit coin. Je mets de la couane. Voilà. Voilà. J'adore. Hop, regardez. Mets la couane. Attends, parce qu'après, il faut que je coupe. Je pas envie de me retrouver avec un... Voilà, regardez ça. Générosité Voilà. Euh, un, deux. Ouais, c'est bon. Parce que je parle beaucoup, mais des fois, comme je suis beaucoup dans ma tête. Hop Et voilà, les amis. Regardez ça. Voilà. Alors ça, vous pouvez le faire avec. Euh, avec... Même pour les, euh, ceux qui ne mangent pas de, de viande. Hein. Vous savez ce que vous pouvez faire Allez, je vous le donne dans le mille. Pour ceux qui ne mangent pas de viande. Vous prenez un céleri rave. Vous le coupez finement. Vous le, vous le pochez dans du lait. Une belle tranche, hein, comme du jambon. Vous le pochez dans du lait, vous mettez de la sauce soja, d'accord Vous laissez un peu mariner pour avoir un côté un peu coloré et vous remplacez le jambon par une fine tranche comme ça de, de, de céleri. Po, po, po. Le, la béchamel, vous la remplacez par du lait de soja. Vous pouvez le faire, tac. Voilà. Le cheddar, il existe des, des fromages euh, avec, euh, je sais pas quoi, de la noix de coco, je sais pas quoi. Vous faites ça et vous avez tout ce que vous voulez. Voilà, là, regardez, ça, c'est bon. Là, par contre, la petite touche poivre, hop, poivre, hop. Tac Là On retourne. Voilà. Tac Les amis, la prochaine fois, ouais, on fera un rougaille saucisse. C'est vraiment parce que là, on a été à la bourre sur les recettes. Je me rends compte quand même que... Voilà, regardez. Voilà. Donc ça, vous le faites. Alors les amis, c'est ça, vous pouvez le faire en avance. Si jamais vous avez un peu de temps et que vous savez que le soir, vous avez envie de faire un croque-monsieur, vous le faites comme ça. Vous pouvez mettre la béchamel. Vous mettez au frigo. Vous attendez le soir, vous arrivez tac au four. Voilà, nickel. Là, regardez. Hop On prend pareil. Voilà. Là, j'en ai mis un, hein. je ne vous raconte pas la messe, vous allez voir, il faut que ça soit euh, incroyablement garni, c'est ce que j'aime. Voilà. Voilà. Ça, si vous n'avez pas de pain de mie, pareil, vous prenez, non, pas des biscottes, j'ai vu, euh, vous prenez du pain de campagne. Vous pouvez le faire avec du pain de campagne, des vraies tartines. Et la béchamel, je vous le dis, c'est une sauce qui est, euh, qui est un peu, pour certains, old school, mais qui, pour moi, sert à tout faire. Vous pouvez tout faire. Lasagne, calélonie, euh, des gratins de coquillettes. les enfin, j'ai fait des coquillettes généreuses. Euh, vous faites des ficelles picardes avec ça. Vous faites des crêpes. Vous mettez de la béchamel. Oh Vraiment, on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup plus des condiments style mayo, ketchup. Mais la béchamel, c'est un truc de dingue. Ça te sauve la vie, quoi. Là, regardez. Hop, tac. Là, voilà. Oignon. Oignon, les amis, non Oignon rouge. Voilà qui n'était pas du tout prévu comme ça, mais au moins c'est drôle. Est-ce que vous avez des questions pendant que je dresse euh, bah, C'est bien gourmand là, c'est le, le croque du bistrot à l'ancienne. Exactement, exactement. Et le croc le croque monsieur, ça vient de Paris. Hein. Et ouais, c'est parisien en plus. Voilà. C'est parisien. Hop là. Voilà. Un bon pain. hop Une belle bécha, du jambon. Touc, touc, touc. Voilà. Là, avant de mettre le fromage, on prend la planche. Arnaud, tu avais rendez-vous avec elle en restaurant Parce que je te libère, quoi. Hein Allez, petite spatule, hop, on pose. Tac, on met comme ça. Voilà. Alors, Florian Bourdin, maintenant que toi et Philippe Echebès avez vos chaînes YouTube, ça serait marrant de vous voir tous les deux sur une recette en live pour voir vos idées se confronter. Oui! Ah, écoute, euh, ça serait très drôle. Je l'ai vu avec Thibaut Inchep, euh, Philippe, c'était très drôle. Ouais, bah, pourquoi pas Je freine... Je, ah, je veux bien faire un petit... Euh... Bah tu sais que... Pour ceux qui... Parce que je, je, suis pas, je suis pas de première génération, mais ceux qui ont regardé Top Chef, Philippe, il avait fait une épreuve où dans laquelle bah, j'étais candidat. Et il nous avait demandé de réaliser, réaliser un plat de Merrové de France. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'est le premier jour où j'ai failli me prendre un marron, mais vraiment... Je vous le dis, en, en in, on ne l'a pas monté, mais en off, j'ai failli me faire matraquer la tronche par Philippe. Attends, j'ai mis les mains dans les cheveux. Euh, parce que dans Top Chef, j'étais chaud. Hein. J'étais chaud, le petit con arrogant. Quoi. Et je devais faire un carré de veau, contisé avec un insert de champignons dedans. Croûte, écoutez bien, hein, croûte verte, c'est-à-dire pain de mie, avec euh, persillaille dessus, donc bien verte, quadrillée ou pas, mais croûte, de, croûte verte de de pain de mie sur le carré de veau, d'accord, et pommes soufflées, et un jus court. Oui, j'arrive, et un jus court. Un jus court, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jus qui est fait au four, dans une plaque à rôtir, on fait revenir les os, et c'est assez riche, assez gras, c'est les jus qui se décantent, où tu as le gras et tu as le, la matière en dessous. Et je vais te dire que là, Philippe, il arrive et il commence à me parler, j'arrivais pas à comprendre sa recette, de faire l'insert, moi j'ai jamais rentré un truc dans une viande, je te le dis honnêtement, surtout du veau, au prix que ça coûte. Et là, il me demandait de faire un truc de champignons mettre là-dedans et à un moment, euh, bah, je l'envoie un peu bouler, quoi, tu vois. Tu te dis, je, je, je... oh le mec, il a. Et à la fin, il m'a dit, attends-toi, à la fin du. Hey. J'avais le calfouette qui claquait, je me suis barré dans le vestiaire, moi. Je, je suis parti me cacher. Et donc c'était très drôle, et après on s'est revu. Euh, super, mais j'adore ce mec. Franchement, euh, j'adore Philippe, mais je m'en rappellerai toute ma vie. Donc oui, on peut se confronter. On pourrait faire une pomme diamant. Enfin, <laughs> moi, tourner un légume. Hop là, voilà, regardez ça. Alors, je vous savez quoi? Pourquoi pas une petite vidéo avec Xavier? Ah, mais Xavier, c'est un pote! Xavier Pincema. Ah, bah alors là, euh, pas de problème! Ah, mais genre j'ai. Mais moi, je débute, vous savez, je suis novice! Hein. Je suis novice! Je suis novice! Alors, euh, pas de problème! Là, tac! Hop, on met ça là! Et là, les amis! Euh, Norbert arrière, regarde-moi un croc! J'arrive! Sono, tonne full! C'est là où je me dis chute! Je... Je... Les... les pseudos, je... il y a de l'imagination! Euh, donc, je mets ça au four, 180 degrés. On va faire fondre la bécha ou on peut mettre directement sur le grill. Ça dépend, mais j'ai envie que la, la béchamel se réchauffe un peu et après on peut mettre sur le grill. Ok On a tous un four à la maison, un petit, un grand, on a tous un four. À gaz ou électrique, on a tous un petit four. Allez, hop, ça part au four. Bam 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 Bam, bam. Voilà. Tac. Et là, on met là. Bam Je vous le montre, on va compter. Euh, on va se faire un petit. Moi je mets au timer aussi. Tac, on va se mettre un petit 3 minutes. Hop, c'est parti. Après, je le mettrai en mode grill. Et voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, les amis, si vous avez des questions pendant que c'est là au four euh, hum, Je vais faire un petit coup de propre après. Euh, voilà, j'ai tout mis. Euh, Dites-moi, Xavier Pincemin, je l'adore. j'adore son univers. Xavier, euh, je vous invite vraiment à aller suivre sa chaîne. Moi, je suis très classique, bistrot et tout. Je vous ai fait le rognon. Je vous dis, les amis, vous même pas les voir, ma, vous n'êtes même pas allé voir ma recette de rognon. Mon associé mon meilleur ami, mon, ma moitié me dit, ne fais pas le rognon. Et je lui ai dit moi, YouTube, tout le monde fait des trucs, voilà, euh, tendance. Moi, j'ai fait le rognon. Je suis le vieux con euh, indéboulonnable. <laughs> j'ai fait le rognon. Bon, c'est pas la recette qui a mieux marché, mais en tout cas, j'ai fait mon rognon. Je suis fier. Voilà. Euh, Xavier Pincement, j'adore l'univers. Franchement, j'ai acheté son bouquin d'ailleurs. Il est très, il est mortel. J'adore son univers. Ce Côté un peu hip hop et tout, vraiment. D'ailleurs, elle a fait un clip là. J'ai vu un clip avec des lambeaux, des porches et tout. J'adore Xavier. Si tu vois, je sais pas si tu dois bosser, je te fais des gros bisous. J'adore Xavier pince Il est ah, j'adore son univers. Moi, j'aime les, les cuisiniers qui ont des vrais univers. Voilà, j'adore ça. Je trouve c'est kiffant. Moi, le mien, c'est bistrot, c'est papa. Tu vois, c'est cool. Et puis, euh, c'est de la bonne bouffe. C'est franchement, tu sais, c'est un peu comme euh, gueuleton. Tu vois, je suis entre gueuleton, euh, toi, un, un petit medley comme ça. J'adore ces cuisines. Voilà. Si vous avez d'autres questions, euh, y a-t-il un replay Je suis arrivé en cours. Euh, Christelle, alors ici c'est pas M6, hein, je suis désolé, on n'a pas fait le replay. <laughs> Mais par contre, euh, ouais, ça, on va certainement l'enregistrer, on va la diffuser. Ça dépend d'Arnaud. Arnaud, Arnaud t'es chaud pour faire un replay ou pas Ok. Arnaud, il parle pas. Euh, Abdella il se fait chier. Pierre, il est euh, en train de. Tu, tu joues à quoi, Pierre, en ce moment Ouais. C'est fini les, les jeux Tetris. Ouais, alors euh, la déconne. Alors. À quand une aventure avec Ouh Oula Et eh oui, ils m'ont proposé Ils m'ont proposé. Bah, dès qu'il m'a vu, il a dit j'abandonne. Ah bah attends, moi je bouffe tout. Hein. Je fait bouffer une racine, euh, le tronc, j'aurais euh, découpé une, une, un tronc d'arbre comme ça, tu sais, l'écorce. J'aurais fait un feu, j'aurais fait euh, fumer l'écorce. Après, j'aurais pris de l'eau de la rivière, j'aurais fait une infusion, j'aurais pêché une truite avec mes mains comme un hein, tu vois, où j'aurais dit Mike, prends-moi la truite comme ça. Et j'aurais fait une truite infusée à l'écorce d'arbre que je ne connais pas. Avec, euh, j'aurais pris de la mousse de mousse parce que j'ai travaillé chez Marc Vera, vous ne savez pas, mais j'aurais pris de la mousse de mousse que j'aurais fait bouillir cinq fois, euh, taille au couteau, frit à la, une sorte de gamelle en, en pierre et tac sur la truite avec une infusion. Euh, et voilà. Donc, euh, mais franchement, Mycorn, il est ouf. Franchement, je l'ai rencontré une fois. Le mec, tu sens qu'il est dans un autre univers. Tu sais que, tu sais que là, lui, c'est une émission où euh, même le mec qui tient la caméra, il, parce qu'il y a un mec qui tient la caméra quand même. T'imagines que quand il est parti avec Amad Pokora ou euh, des invités, il est filmé. Et je peux te dire que j'ai rencontré le mec qui tient la caméra et il m'a dit c'est l'angoisse. À un moment, je crois qu'il y a des éléphants, il est avec une nana. Je ne sais plus c'est pas que l'ormanodou. Il y a des éléphants en face. Et l'éléphant, il charge. Toi, quand tu le vois chez toi, t'es peinard. Ah, c'est le, le croc Attends. On déconne. On déconne. Oh là, regarde ça, regarde ça. Viens, viens, viens Là, on est sur du, on est sur du good. Gratiné ou pas gratiné Gratiné ou pas gratiné Arnaud Gratiné, ok on gratine, c'est bon. Allez, on y va. Bam. Euh, là, on part. Hop, on met grill, grill, grande surface. C'est parti mon kiki. Et donc, le, le cadreur, il me dit, mec, quand t'as pas un, t'en as trois ou quatre qui chargent, t'es pas bien. Franchement, MyCorn, voilà, c'est une émission où j'aurais été chez Cerise. C'est gros, pas mal, j'aurais fait une assurance vie, mec. Parce que, je vais te dire, euh, il, est, il est ouf. Il est ouf. Le mec, qui prend un serpent, un cobra comme ça, Royal, et limite, il lui fait la bise. Le mec, il dit on va le manger ce soir. Enfin, le mec, il est ouf. Il est ouf. Euh, il est vraiment plein. Lui, il est, il est sans filtre. Je te jure. Moi, j'm... franchement, la vérité, je me serais, serais fait une grosse condition physique. Euh, limite, j'aurais fait du Shinto X comme un. <laughs> j'aurais prêt à bouffer des insectes parce que je partirais avec lui. Je peux te dire, tous ceux qui sont revenus, ils ont un souvenir. Autant faire euh, parenthèse inattendue. Hein. Je pars avec Frédéric Lopez à l'autre bout du monde. Pff, tu vois ce que je veux dire Je suis tranquille. Hein. Moi, je fais à manger pour, pour tout le monde, tu vois. Je fais des bisous, même tu nu, avec une feuille de bambou, tu vois, voilà. Mais euh, MyCorn, ouais, c'est du vrai. Euh, je ne sais pas si tu avais, répo si tu avais répondu, est-ce que tu pourrais nous faire une recette porc, sauce et gredouce, maison Ah oui Ah bah oui euh, Ah bah alors, euh, oui, 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 ça oui. ah, bah, avec plaisir, qu'est-ce que tu veux d'autre Tu pourrais nous conseiller un très bon couteau, car sur Internet, on trouve n'importe quoi. Oui, ça c'est vrai. Internet, c'est bien, alors, je ne sais pas ton niveau. Tu veux commencer, pas très cher, pas mal c'est, je le disais tout à l'heure, parce que tu es, es arrivé en cours, le Wasabi. Tu vas taper Wasabi, c'est euh, la marque K. k -I, k K-A-I, pardon. Tu vois, ça, c'est bien pour commencer. Sinon, je le conseille, puisqu'ils m'ont envoyé et que je le trouve pas mal, c'est cette marque qui s'appelle Kotaï. D'ailleurs, mais il y a mon pote euh, Chichi qui, est, euh, qui, est, ouais, qui cuisine avec. Il se reconnaîtra, mec d'enfer. Parce que moi, j'aime tous les cuisiniers, hein. Tous ceux qui ont un univers, je vous le dis, j'adore. Voilà, donc c'est Kotai. C'est pas mal pour commencer. Attention, ça dépend de votre niveau. Hein. Euh, tout dépend de votre niveau. Euh, derrière, euh, tu as global. Voilà, je te montre le global. Vraiment, ça c'est une valeur sûre. Pour démarrer, pour, euh, même quand tu as un petit niveau sympa, global, c'est top. Un peu excessif, mais c'est top. Ça tient, regarde. Il a 15 ans celui-là. Là, là j'ai démonté des écrous. Là, j'ai changé le carbu, tu vois. Et euh, là, il est passé à la meule et tout, mais il est encore là, il est encore vivant. C'est très bien global. Après, euh, je te conseille celui-là. Celui-là, on est sur un budget de 170-200 balles. C'est celui-là. Voilà, le Mayabi, il est magnifique. Vraiment très très beau. Là déjà, tu rentres dans un truc où euh, tu le mets surtout pour la vaisselle. Euh, tu, le, tu ne l'aiguises pas. Tu ne l'affûtes pas. Hein. Attention, oups, que ça crame pas. Euh, pierre. Voilà, une pierre. Pierre a affûté. Voilà. Et puis euh, voilà. Mais oui, tu as raison, il faut faire attention. Mais sinon, tu commences chez Chroma. C'est pas mal, Chroma. Chroma, c'est pas mal. Euh, Arnaud, c'est pas drôle, tu m'as volé mes torchons. Oh la vache, ça sent trop bon, je te jure. Moi, le coup de l'oignon, toi, c'est pour ça que j'aime la cuisine. Parce qu'il y a un mec qui me demande technique de ciselage, un oignon, un machin. Je le fais. Et en fait, j'améliore la recette grâce à cette des... En fait, la, la cuisine, ce que je dis, c'est ce que j'en pense. N'importe qui, qui va faire la cuisine, chef, euh, on fait toujours la cuisine parce qu'on a envie de faire plaisir aux gens. On a envie de donner des émotions. Euh, que ce soit de la fast-food, du, du croque-monsieur... Euh, euh, quelque chose d'assez euh, euh, technique, il faut avoir du kiff quand tu fais à manger. La vraie notion de plaisir pour devenir cuisinier, c'est celle de faire plaisir à l'autre. Si tu rentres dans une cuisine un matin, je vous jure que c'est vrai, hein. c'est ce que je dis aux jeunes, si tu rentres un jour dans ma cuisine ou dans une cuisine et que tu traînes les pieds et que ça te fait chier, arrête le métier. Il faut aimer les gens. Les gens que tu ne connais pas, qui vont forcément, un peu comme des gosses, bah, te critiquer, te balafrer, bah, te mettre des, des, des remarques, des critiques. Moi, une critique qui me fait rire quand je vais au restaurant, Si tu vois, les clients, tu dis, bonsoir, tout s'est bien passé, vous avez aimé le poulet. Et là, tu as cette phrase, je vous l'assure, c'est, oui, euh, Norbert, moi j'aurais mis un petit peu de curry. Hein. <laughs> il y a toujours un client, il te, il te dit tout ce qu'il... Voilà. Ça, ça me fait rire. Mais si tu pas les gens, faut pas faire les métiers de bouche. Enfin, faut pas faire les métiers de service, quoi. Je te jure, il faut aimer, faire plaisir aux autres. Euh, puis, Arnaud, tu m'as volé mes torchons. Oh, il est tout mouillé. Oh, est... Euh, on va prendre celui-là. Attends, parce que torchon mouillé, main brûlée. Et ouais, je vous le dis sincèrement, quand tu fais la cuisine, il faut aimer faire plaisir aux gens. Voilà. Allez, on y va, c'est parti, mon kiki. Waouh, ça suffit. Ouah, oh, regarde ça. Po po po. po po. Les amis, Attends, je vais mettre un coup de propre. Euh, voilà. Bonne idée, euh, Jérémy, le Normand. Très bonne idée du, du croc, c'est d'en faire. Voilà. Voilà, on met ça là. Regardez ça, je vais vous le prendre là. Regardez ça. Regardez, tac, voilà. Tu me dis, la quelle lumière ça t'arrange, Arnaud Ici, voilà, regardez ça. Voilà, les amis. Le croque-monsieur au cheddar. Béchamel au cheddar. Oignon, juste sué comme ça, oignon rouge. Et parsemé de cheddar. Et un jambon blanc. C'est du kiff. Un petit peu de beurre, piment d'Espelette, et c'est du top. Tu devrais lancer sur Twitch. C'est quoi, Twitch Deux doigts coupe-fin C'est quoi, ça c'est quoi Vous un... bon, m'expliquerez. Tu m'expliqueras, Jérémy C'est quoi Twitch euh, Coucou Norbert. Salut Julien. Euh... Par contre, ta recette de poule porc à la française, je refuse. Ah bah non ah bah, euh, Attends, alors... Eh, euh, Zaraki, euh, Zaraki Kempachi, euh, ok, mais le poule porc, 7 heures. T'imagines dans ton appart Parce que moi, je fais des recettes pour que tout le monde puisse les faire. Après, je pas dit que j'étais un grand chef triplement étoilé, que je fais de la morale dans la cuisine. Je dis juste que j'essaie de trouver des combines pour faire plaisir à tout le monde. Franchement, c'était une très bonne idée le poule porc avec de la rillette. Le poule porc, c'est 6 heures de cuisson à 110 degrés, 7 heures. Tu te vois dans ton studio. Euh... Alors, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui, un... qu qui pourrait remplacer un, effilé... un... un effiloché de viande ben, La rillette. Donc, tu trouvais ça cool. Après, tu mets des épices. Hein? Ok, je comprends que ça ne puisse pas plaire à tout le monde. Mais franchement, c'était une très belle idée. Moi, je suis ferme, mes idées. Des fois, c'est des. Des idées quand même high level. Des fois, c'est des idées de merde. Je le reconnais. Mais c'est là, pour le Porc à l'arriette, franchement, du kiff. Euh, la magie de Norbert. Euh, Qu'est-ce qu'il y a euh, Si tu as des idées asiatiques, notamment vietnamiennes, ça serait cool. Alors, je à attelle. Franche... Oh, le mot, le mot, je m'y attelle. Euh, oui, j'aime bien les recettes asiatiques. Euh, j'aime bien les bobounes, les feux. Il euh, y a plein de nouvelles recettes. Mais là, il faut que je m'approfondisse. Parce que déjà, je suis jamais allé en Asie. Donc, euh, je ne vais pas vous mentir. Euh, à part dans le 13 e ou dans mon quartier, euh, voilà. Euh, mais ouais, je, je, je suis fan. Je suis fan total des noodles, des ramen, euh, plein de trucs, voilà. Mais euh, par contre, là, je, dans mon bouquin, je vous ai fait des, des baos Ça, j'adore. Je suis fan des bao. Euh, on va le couper. Vous voulez voir un peu bah, Parce que Abdellah, il dit, putain, le mec, moi, j'ai mon train à euh, 20h50. Après, j'ai plus de métro. Voilà. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Vous avez quelque chose de... Voilà. Regardez ça. Et ça se tient. Hein. Vous voyez, la béchamel, elle, elle tient. Voilà, il y a un qui dégouline. Euh, vous voulez que je mange Ok. Voilà. Alors regardez, je vais manger. Mmh. Mmh. Je vous dis la vérité, ne soyez pas au régime. C'est pas avec ça qu'il faut faire un régime. C'est trop bon. Vous avez eu le beurre Le beurre, il a fondu. Il n'a pas séché. Ça n'a pas séché le pain, ça a, ça a enrichi le pain. On a une béchamel au cheddar, c'est crémeux. Et l'oignon, franchement, très bonne idée. Je ne sais pas, la personne qui m'a demandé des minces un oignon, moi, je voulais les mettre crus. Les faits de les avoir compotés, ça ressort un côté sucré. Et de l'avoir fait. Euh, merci Arnaud, parce que tu m'as demandé de le faire croustillant, le fromage, et c'est une frappe. Voilà. Hum. Hum. Tu vas me filmer quand je pisse les yeux ou pas Vous vraiment voir que je suis. Euh voilà. En tout cas, le croque béchamel, je vous le rappelle, 60 grammes de, 50 g de farine, 50 g de beurre, on fait fondre, on fait un roux, on verse du lait, 1 demi-litre de lait, 500 g de lait. On fait épaissir, on reste, on rajoute 120 g de cheddar, bam. Ensuite, on laisse un peu refroidir sur le côté. On prépare euh, son pain avec un petit peu de beurre au centre, juste au centre, vous savez, je n'ai pas cherché à l'étaler sur tout le pain, au centre. Piment d'espelette, on pose, après, on repose de la béchamel dessus, tac. On pose le jambon, on referme, on remet de la béchamel, on met les compotées d'oignons, qui est juste tombé, une petite compotée. On remet du, du cheddar, on envoie au four, et après tu croques. Croque monsieur, croque madame, on peut mettre un œuf au plat dessus. Trop oh bon. Chérie, si tu me regardes, fais pas bouffer, hein. j'ai déjà, déjà mangé. Hmm. Bon, je vais vous dire quelques questions. Il est quelle heure 19h05. En tout cas. Je kiffe. Juju, est-ce que tu feras d'autres lives, Nono Écoute, je ne sais pas, euh, mon Juju, je vais vous dire la vérité, c'était pas du tout prévu. On avait calé. Alors, je vais vous dire, on est en live Moi, je suis un dingue. Jeudi, on tourne trois recettes. Il y a mon Jérém là. On devait tourner aujourd'hui le soufflé au fromage. Validé On devait faire le croque-monsieur Non. On devait faire quoi Soufflé au fromage Brioche Je vais vous faire une brioche Une brioche parce qu'il faudra que je n'ai aucun pouvoir. C'est ce monsieur là-bas, tu peux le tourner. C'est ce monsieur là-bas qui décide de ce qu'il veut que je fasse. Et en fait, vous ne le savez pas. Je vais vous le dire, je vais vous le dire. On, a, on, on, fait, des, on fait des brainstorming, hein, tu vois, c'est une grande multinationale, on est deux. <laughs> on est deux. Et Jérémy, il se fait toujours des kiffs, il dit, je veux qu'il me fasse ça. Et, euh, et donc on se fait des délires. On sait très bien qu'il y a des vidéos qui vont marcher plus, plus que d'autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, mon rognon, il m'avait dit tu vas être dans l'échec. Bah, j'ai un peu serré, la raison, j'ai échoué sur, les, sur le, le rognon. Mais vous savez ce qui est énorme, quand même, c'est que Jérémy, il fait aussi ça parce qu'il kiffe la cuisine. Et que en fait, ça lui permet d'avoir un chef ou des cours de cuisine gratos. Ce matin, j'arrive vers 9h15. J'arrive vers Neveka, qui sait que je vois de bonheur Parce qu'il est jeune papa, félicitations à Jérémy, jeune papa, donc il dort pas beaucoup, je le vois. Il était là sur le coin, ici là, là où on est là avec le creux, et je le vois tu sais en train de mettre les mains comme ça, je dis mais qu'est-ce qu'il nous fait J'arrive de là-bas, hein. et il fait ta il est en train de foncer une quiche, parce que vous allez voir la quiche généreuse que j'ai fait sur Youtube, bah, Jérémy il l'a refait. Il était tellement fier Et ben c'est ça la cuisine, voilà pourquoi j'aime la cuisine, parce que Jérémy, ça lui a donné envie encore plus d'essayer et là après l'initiative hein. en plus c'est une recette pour un bouquin tu le, le stress tu dois avoir le stress jérémy ai il est comme ça il est en train de foncer la pâte il me dit je t'ai fait l la pâte à quiche c'est là-bas dans le frigo et ben voilà voilà pourquoi j'aime la cuisine parce que quand tu touches les gens quand tu, tu leur donnes envie de faire quelque chose c'est là où tu as tout gagné voilà et la quiche est bien passée franchement bon la petite histoire c'est que bon jérémy il, il me donne beaucoup de coups de main mais il a des réunions il avait des rendez-vous il était en rendez-vous et tout et je suis venu le faire chier toute la journée parce que la quiche en fait il bah, y a eu un petit trou. Tu sais comme dans une baignoire, tu prends un bain et au bout de 20 minutes, tu dis putain, il n'y a plus d'eau. Bah la quiche avant, je la mets au four, puis au bout de 10 minutes, je dis Mais c'est bizarre, le niveau de Miguel ça s'appelait une migaine l'appareil, il bah, n'y en avait plus beaucoup, niveau. Et en fait, il y avait un petit trou dans la pâte. C'était très drôle, je suis nul embêté, mais en fait, il m'a donné un sang coup de main, La quiche est très belle, elle serait dans le bouquin. Je devrais l'appeler la, la quiche Jérém. Et en plus, ce matin, j'ai fait le pire truc. Si vous aimez la cuisine, vous... et ceux qui connaissent, la duxelle, duxelle de champignons, champion de Paris. Voilà. Et après, tu fais tout au couteau. Et il m'avait fait un steak tartare au départ, J'ai vais ah, Jérémy, là, tu t'es trompé, il a fait une super duxelle parce que je vous ai fait un filet mignon en croûte, feuilleté, avec une duxelle de champignons. Bref, c'est du kiff, c'était une journée mortelle, je termine avec vous euh, ce soir sur un croque monsieur, ils sont là. En plus, ça me fait plaisir, vous savez quoi, parce que ce que j'aime dans les lives, ce que j'aime dans les lives, c'est qu'on est sans filet. Nous sommes sans filet, et il peut nous arriver n'importe quoi, mais au moins ce que j'aime, c'est de pouvoir communiquer directement avec vous et voir que... Bah, on n'est pas tous parfaits, il peut nous arriver des trucs. Vous avez des demandes, je les réalise maintenant. L'oignon, ce n'était pas prévu comme ça. Et eh bien, je vous ai fait euh, les petits oignons comme ça. Bref, les amis, euh, je ne sais pas s'il faut rendre l'antenne, je ne connais rien du tout. Mais euh, en tout cas, je kiffe. Si vous avez des questions, quand une vidéo en live avec Jean Alors écoute, euh, j'aimerais bien. Franchement, alors, je vais vous dire la vérité. Euh, un petit secret. Jean, je l'ai de temps en temps au téléphone. Parce que monsieur, euh, maintenant... Il s'occupe de Rent Express, il s'occupe du Martinez, il s'occupe de Tahiti, il a le Plaza Athénée. Oh 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 mon Jeannot. lui il n'a pas perdu de temps. Et donc quand je l'appelle, euh, c'est vrai qu'on parle souvent des émissions de Norbert et Jean, et on a kiffé. Et euh, c'est vrai que c'est le seul moment où moi je kiffe, où je kiffe en de d'être avec Jean, parce que euh, on, on déconne à mort, c'est un peu amicalement vaut, tu vois, c'est un peu chien et chat, et c'est comme ça que ça se passe avec Jean. Euh, je le dis souvent, on se déteste d'amour, on est totalement opposés, on n'est pas fait du tout pareil, on ne voit pas la cuisine de la même façon. Euh, rien, on n'est pas du tout pareil, mais on se kiffe. On se kiffe, c'est comme ça. Jean, il est là, moi je suis là, et quand on se voit, c'est bam. Je ne sais pas comment vous expliquer. J'adore, c'est un peu l'oreille hardy de la cuisine, quoi. J'adore ça. D'autres questions. Flor, Floriane, elle veut des baobun. Oh hey, Olivier. Olivier, je, hey, je t'ai fait des burgers sur le livre. Des bao burgers. Franchement, ah ouais, j'adore les bao. Je suis fan de bao. Vraiment. Il y en a qui sont fans des moshis. Moi, je suis fan des bao. Franchement, je kiffe. C'est vraiment des trucs incroyables. D'autres questions, après, je vous rends l'antenne. Euh, Sylvie, C, Je t'adore. Merci pour ce live. C'est trop bien. V vivement le prochain. Et bien, quand vous voulez, les gars, on se mettra ça en place. Hein. Euh, Gwen, euh, merci Nono pour cette recette. Gros bisous. Jérôme blanc. Chou sushi, tu pourras nous faire... Alors là, les sushis, oh les gars. Là, c'est du taf. Euh, sushi, franchement, tout le monde pense que c'est foutre du riz avec du salmon dessus. Quand on a compris le petit mélange, parce qu'il y a un petit secret entre un mélange de saké euh, et de mirin, je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, euh, saké, vinaigre de riz. Tu sais, quand ils incorporent le riz tiède comme ça. Enfin, J'ai un ami qui est maître sushi, il a vraiment son diplôme, c'est 10 ans de taf. Le mec, quand il nous regarde faire des sushis, il a envie de, nous... ah, il a envie de prendre un katana et de nous couper en deux comme les Tortues Ninja. Parce que nous, on, voilà, c'est un peu comme les carbonara. Hein, voilà. Euh, super, merci de le live. Euh, on t'embrasse. Je t'embrasse, Chris. Marie, bisous. Je vous embrasse tous. En tout cas, je vous kiffe. Euh, recette d'un plat avec du sirop d'érable. Ok, je ferai ça pour les diabétiques, il n'y a pas de problème. Je vous ferai tout. C'était l'offre de Nono en direct pour le croque-monsieur cheddar. Un truc de fou. Voilà, il est là. Il est avec moi. C'est mon poteau. Euh, gros bisous à tous, je vous prépare des recettes, promis, on essaiera de se faire des lives avec euh, assurément, peut-être sur Twitch, parce qu'on m'a parlé de Twitch, je ne sais pas qui est Twitch, mais je l'aime d'amour aussi, bisous Twitch. Moi je vous promets, je vais vous régaler, on fait trois recettes jeudi, on tourne trois recettes avec l'équipe. Arnaud, on se revoit jeudi. Euh, je vous fais trois recettes et dès qu'on peut, dès que je, je vous ferai des lives. Et de toute façon, je vais vous dire une chose, pour ceux qui suivent, je serai plein de surprises. J'ai une grosse annonce à vous faire dans pas longtemps et là c'est sûr. Comme diraient mes potes, t'es un gars sûr. Il y a pas, pas, pas mal d'années, j'ai mis 10 ans à vous dire je fais YouTube. 10 ans après, je l'ai fait quand même. Je, moi je suis un persévérant. Là, j'ai hein, une annonce à vous faire dans pas longtemps. J'attends juste que ça soit confirmé, comme dirait ma fille Lali, faut que ça soit carré. Faut que tu carré. T'es carré ma vie, elle me dit. Dès que c'est carré, je vous fais une annonce promis. Je vous envoie un petit message, une petite vidéo, je vous annonce le big projet of the life. Et je vous allez kiffer. Parce que vous allez tous venir avec moi et on va tous kiffer. Voilà. Euh, non, je ne pas comme comme il s'appelle. Squeezie, je ne peux pas vous mettre sur une formule 1, moi je... Déjà j'ai plus de points sur mon permis. Euh, par contre, voilà, les amis, moi je vous dis, des recettes, on s'amuse, prenez soin de vous, kiffez, faites à manger, faites-vous plaisir, prenez euh, du kiff, c'était Love de Nono. Et n'oubliez pas que la cuisine c'est comme une histoire d'amour, n'oubliez jamais cette phrase, elle n'est pas de Maupassant ou de Victor Hugo et de Norbert. N'oubliez pas que la cuisine c'est comme une histoire d'amour, ça commencera toujours par la bouche et ça finira toujours par euh, du plaisir. Allez, gros bisous, bonne soirée, Pierrot t'es dans la chaîne on vous embrasse, gros bisous, merci Adela, merci Arnaud, merci Pierrot, euh, merci à tout le quartier de Courbevoie, merci à Jérémy Lenormand et euh, à très vite, je vous embrasse les amis, bisous et euh, j'arrive chérie.